Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Le doy a todos la muy cordial bienvenida para esta tercera sesión del webinar sobre turismo y COVID en el Caribe, organizado desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través de su Centro de Estudios de la Francofonía, junto con el Instituto de las Américas de Francia, a través de su Polo Caribe, auspiciado en Funglode. Es un gran placer para mí abrir esta tercera sesión titulada Crisis, Turismo y Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son las perspectivas? Ya hemos dado a conocer dos primeras sesiones que tendrán o tienen disponible en YouTube, y con esta tercera sesión culminamos los intercambios sobre esta temática del turismo en el Caribe en tiempo de pandemia. Queremos dar nuestros agradecimientos a todos los ponentes del día de hoy. Les voy a presentar muy brevemente quiénes son nuestros expositores y luego cederé la palabra. Agradecemos entonces la participación del señor Stéphane Fauché, presidente de Funglode France, la participación de Carlos Kenan, vicepresidente del Instituto de las Américas, la señora Isabelle Delannoy, el señor Pascal Petit, la señora Elisabeth Barrancourt, la señora Jacqueline Laguardia y el señor Olivier Dehorn. Claro, nuestros expositores serán presentándose cada vez que vamos a darles la palabra. Pero antes de eso, le voy a ceder la palabra a Laurine Chapon, nuestra coordinadora del Polo Caribe en Santo Domingo, para que también dé algunas palabras en francés. Esta mesa, este webinar será entre francés y español. Cada expositor hablará en el idioma de su preferencia y trataremos de dar algunas traducciones o resúmenes en base a las necesidades de los participantes. También les invito a que puedan preguntar por el chat, sea de Facebook o sea de YouTube, las dos plataformas que tenemos disponible para visualizar esta actividad. Así que le dejo la palabra a Laurine. Y les agradezco a todos, tanto al público por su presencia y a los expositores por aceptar colaborar en esta actividad. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. J'irai vite car Claire a tout présenté. Nous sommes très heureux d'introduire cette troisième table ronde du séminaire Tourisme et Covid dans la Caraïbe qui portera plus particulièrement sur les défis et les perspectives ouvertes par la pandémie du Covid en lien avec le secteur touristique. Donc, nous remercions au nom de l'IDEA et du Polo Caribe, de l'Institut d'Amérique, les intervenantes et intervenants et le public. Les interventions seront de 15 minutes par intervenant. Et je cède tout de suite la parole à Stéphane Fauché, président de Funglode France, qui va réaliser l'introduction. Merci beaucoup. C'est un honneur d'introduire ce problème de crise, tourisme et développement sostenible. ¿Qué perspectivas? Hablaré en español y luego terminaré en francés. Imagina un país sin militares, con una democracia estable que vive de la agricultura y el turismo sostenible y que la producción de electricidad depende casi por completo de la energía verde. Con estas palabras, el periodista Jonathan Shelley introducía un artículo sobre Costa Rica, Paraíso Verde y Modelo para la COP21, publicado en la revista Capital el 27 de noviembre de 2015, antes de una reunión en París, donde jefes de Estado de todo el mundo encontraron soluciones para combatir el cambio climático. La lucha contra el cambio climático y, en general, el desarrollo sostenible no es una idea nueva en el mundo de la industria turística. La moda del
turismo sostenible surgió en la década de 2000 con la industria turística, respondiendo a una demanda de turismo que respeta los aspectos medioambientales, sociales, culturales y económicos. La República de Costa Rica se había adelantado a esta evolución. Desde hace 40 años invierte regularmente en energías renovables hasta el punto de que tiende a convertirse en un país neutro en materia de CO2. Desde los años 80, Costa Rica se ha volcado en el ecoturismo para superar la crisis de sus recursos tradicionales, el plátano y el café. El desarrollo del ecoturismo en Costa Rica es el resultado de una verdadera estrategia política y antropológica legitimada por las inversiones, una legislación ambiental estructurada y un proceso de etiquetado que contribuye a la necesidad de encontrar un sentido al acto de viajar. Hasta 2009, el turismo mundial en todas sus formas ha ido bien. En 2009, el flujo de turistas internacionales ha aumentado de 4%, lo que representa 1.500.000 de personas. Entre 2015 y 2009, la Organización Mundial del Turismo mostró una tendencia creciente en el número de turistas. Sobre la República Dominicana en particular, 6.129.000 turistas extranjeros visitaron el país en 2015. Fueron 7.750.000 en 2009. Desde los primeros meses del año 2020, el turismo mundial se desplomó. La zona del Caribe registró un descenso del 60% en el flujo de turistas internacionales, lo que debilitó la industria turística en su conjunto. En la Bolsa de París, la cotización de Accor, multinacional de turismo hotelero, acogió un 50% entre 2009 y 2020, pasando de 42 a 20 euros. La crisis de coronavirus de 2020, al igual que la crisis del plátano y el café en Costa Rica en 1980, permitirá a la industria del turismo reinventarse. Un problema es una oportunidad para hacerlo mejor, dijo Duke Ellington. Cette chance, en fait, de faire son mieux est sans doute une véritable opportunité pour les pays, pour les petits États insulaires, dont les ressources sont en fait principalement liées au tourisme. Et du fait de la pandémie, ces opportunités, ce tourisme a enregistré une chute significative du PIB des petits États insulaires. Lors du sommet ibéro-américain du 21 avril 2021, qui s'est tenu dans la principauté d'Andorre et auquel participait le président dominicain Luis Abinader, le tourisme s'est affirmé comme le moteur du développement durable, pouvant contribuer au développement rural, mais aussi offrir des débouchés aux populations autochtones. La question du développement durable dans les petits États insulaires en développement a été abordée dans le programme Action 21 qui a été adopté lors du sommet de la Terre à Rio en 1992. On se rend compte en fait que, après
trois conférences mondiales sur le développement durable des petits États insulaires en développement, 1994, 2005 et 2014. Si évidemment des progrès ont été accomplis, de nombreux sujets restent encore à traiter, notamment s'agissant de la gestion des ressources touristiques. Ces 40, grosso modo, ces 40 petits États insulaires tels qu'ils sont référencés à l'UNESCO sont aujourd'hui confrontés à l'éloignement géographique qui accroît le coût des importations et favorise l'usage de l'avion, sont confrontés aussi à des risques climatiques, à la dépendance économique quasi exclusive du tourisme, à la nécessité de préserver les équilibres sociaux, culturels, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'industrie, le tertiaire, et puis, et j'y reviendrai, ce que j'appelle moi la concurrence, dont notamment la concurrence du Costa Rica qui, depuis environ 40 ans et de manière peut-être plus acérée depuis le début des années 80, se présente comme une référence mondiale de l'écotourisme. Cependant, il est évident qu'aujourd'hui, les petits États insulaires en développement peuvent saisir l'opportunité de la crise du coronavirus et notamment des investissements à venir de l'industrie du tourisme qui va devoir se réinventer pour appréhender de manière stratégique la véritable question de l'attractivité de leur territoire. L'art de voyager résulte d'un désir au sens où le voyageur est avant tout à la recherche d'une émotion. Et le Costa Rica a bien compris cette réflexion et a sacralisé le développement durable au point d'en faire aujourd'hui une spécificité nationale de rayonnement mondial. La gestion anthropologique du tourisme peut pour les petits États insulaires en développement constituer un point d'entrée permettant d'appréhender de manière plus globale l'ensemble des sujets auxquels il doit faire face, évidemment du point de vue du développement durable. Je vous propose donc de passer la parole à mes collègues et en premier à Carlos Kenan. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais citer Antonio Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, qui disait assez récemment « Le tourisme peut être une force au service du bien dans notre monde en jouant un rôle protecteur de nos planètes et de sa biodiversité et en célébrant ce qui font de nous des êtres humains. » Donc je passe la parole à Carlos. Carlos Kenan, donc, qui est économiste, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et qui se propose de nous parler cet après-midi des défis sociopolitiques et économiques de la Caraïbe après la pandémie. Buenas tardes, buenos días. A la inversa de lo ocurrido con Stéphane, voy a decir unas palabras en francés y después voy a continuar en español. Donc, je voulais vous saluer tous. Exprimer mon bonheur, n'est-ce pas, pour être ici avec vous et dans cette troisième session de ce webinar sur le tourisme et la COVID-19 dans la Caraïbe, qui a suivi une séquence en principe logique de d'abord essayer de donner, de présenter un diagnostic de l'impact de ce choc extrêmement défavorable et négatif qu'ont subi les pays, les économies de la Caraïbe avec la pandémie. En deuxième lieu, la deuxième session, regardez quelles étaient les politiques mises en place dans les courts termes pour faire face et à la crise de la COVID et à la crise du tourisme qui en a découlé. Parce que, comme ça a été rappelé il y a quelques instants, il y a eu un effet très, très, très négatif de la crise sanitaire sur de nombreuses activités, certes, sur l'ensemble de l'économie mondiale initialement, mais avec des secteurs gagnants et des secteurs perdants, dont des perdants, c'était le tourisme, l'hôtellerie, entre autres. Et là, notamment, ça a fortement affecté les économies des pays de la Caraïbe. Et cette troisième séance qui se consacre plus sur la problématique, des perspectives, en essayant de regarder et la question de la crise et son lien avec le tourisme et le développement soutenable. Voy a pasar entonces al español diciendo que de manera muy sintética este seminario con esa secuencia de tres sesiones aborda ahora
una perspectiva más estratégica a la problemática, pero nos parecía importante recordar efectivamente que la profundidad de la crisis producida obliga a partir de ella justamente para ver de qué modo se pueden abordar los problemas de reorientación del turismo, de relanzamiento de las actividades económicas y todo esto en una perspectiva de desarrollo sostenible, como es el tema que nos planteamos hoy. Y no puedo agotar indudablemente toda la problemática de los efectos socioeconómicos y políticos, solo diré que justamente en estas circunstancias en las que las crisis son graves, con más razón que hay que tener un pensamiento estratégico. Y para ello, el primer paso es reconocer que estas crisis graves implican no solamente, como se ha dado en toda la región caribeña, fuertes caídas del Producto Interno Bruto, como en el resto del mundo y en particular en América Latina y el Caribe, que ha sido la región más afectada junto con Europa en términos de caída de la actividad económica en el año 2020 y con más dificultades para promover un rebote de las actividades económicas, mucho más fuerte la caída y mucha más dificultad para relanzarse, en el caso de América Latina y el Caribe, que lo que se da en otras zonas del mundo menos afectadas por la crisis sanitaria, o como es el caso de las principales economías y países en el mundo, Estados Unidos o China, que han desplegado un gran esfuerzo contracíclico para enfrentar la crisis y que además, en el caso de Estados Unidos y otros países, han avanzado ya raudamente en el proceso de vacunación, por ejemplo, que es un ingrediente de la salida de crisis, indudablemente. Entonces, la gravedad y la profundidad de la crisis obligan a pensar que hay que orientarse hacia salidas de carácter estratégico, pero obligan a pensar también que esto se va a dar en medio de grandes restricciones y probablemente incluso, como ha ocurrido en muchas pandemias, epidemias del pasado, con fuertes tensiones sociopolíticas. Por el momento eso no se advierte tan claramente en el Caribe, pero sí advertimos, de todas formas, aquí y allá, una impaciencia de las poblaciones, una cierta tendencia a la contestación de las dirigencias políticas. De hecho, las pandemias, epidemias del pasado nos han enseñado que suelen darse numerosos casos, en la medida que esto se prolonga, de desobediencia civil, de revueltas, de rebeliones incluso. Entonces, hay un contexto de tensiones, no se trata de ser alarmista, pero hay que tenerlo presente, y es en este marco que deben plantearse la elaboración de políticas públicas con una perspectiva estratégica para justamente, teniendo en cuenta la crisis, ver de qué modo se puede reencauzar y desarrollar la actividad del turismo, que sigue y seguirá siendo muy importante para las economías del Caribe, no solo el Caribe insular, sino también el Gran Caribe, porque hay varios de los países justamente que tienen fachadas, digamos, costas sobre el Caribe, que tienen una gran dependencia respecto de esta actividad. Pienso en México, pienso en Costa Rica, que se ha mencionado hace un instante por parte de Estefan, muy claramente como un modelo de país que ha desarrollado una oferta turística fuertemente centrada en el aspecto ecológico medioambiental. Pues bien, entonces, en este contexto, propongo muy sintéticamente decirles que es muy importante que los países de la región, sus instancias públicas, pero también las privadas, pues tengan presente que hay que, de alguna forma, adoptar un cierto método para poder optimizar la perspectiva de reanimación del turismo y la perspectiva de una orientación estratégica al respecto. El método tiene, a mi modo de ver, tres dimensiones que deben utilizarse para cualquier análisis en la perspectiva de elaboración de políticas públicas y de estrategias de desarrollo, que implican, en primer lugar, tener en cuenta la historia y las ventajas comparativas de cada país. No es lo mismo Cuba que República Dominicana, que Marruecos, en relación a la problemática turística en este caso, y obviamente se mencionó con toda claridad y certeza que había una gran singularidad de Costa Rica, como ya se mencionó o se subrayó. Entonces, hay que partir de ese punto. En segundo lugar, ver el estado del arte de la problemática del turismo, lo que significa la industria turística mundial, las preferencias de los consumidores, el mapa del turismo mundial
y cómo se va a insertar en él el país considerado. Y por último, la experiencia internacional es importante, no solo el aspecto teórico y de los análisis que se hacen de distintas disciplinas, sino también la experiencia internacional, igual ver cuáles son los casos que son interesantes, específicos para cada país en particular, a sabiendas que nadie puede reproducir el esquema exitoso de otro, que se ha dado en otro contexto y demás. Es decir, si pensáramos, como se planteó, decía antes, que Costa Rica ha sido un ejemplo importante en materia de turismo, ecoturismo y perspectiva medioambiental, de preservación del medio ambiente, etcétera, en su oferta turística, pues no se puede hacer como Costa Rica, que ya lo hizo, hay que inventar algo nuevo. Pero sí ver en la experiencia internacional cuáles son las experiencias que pueden ser más interesantes desde el punto de vista de cada país. Pero todo esto debe ser cruzado con la dimensión crisis, no solo en lo que respecta al impacto inicial negativo y lo que ya mencioné, el aspecto socioeconómico, sociopolítico, el contexto de turbulencias en el que se va a desenvolver el conjunto del mundo, por cierto, pero de manera bastante clara y ya se advierte en los casos, en varios casos de los países de América Latina y del Caribe, pues ver también la crisis en sus efectos más duraderos, es decir, cuáles son, en lo que respecta al turismo, las nuevas formas de viajar y de desplazarse a nivel internacional, de qué modo afecta las preferencias de los turistas, de los consumidores, este gran shock que ha sufrido la humanidad con la pandemia del COVID-19 y qué consecuencias hay que sacar desde el punto de vista de la progresión, de la evolución de la industria turística en general y en particular del país de que se trata. Pero también hay que articular esto con la dimensión de desarrollo sostenible. Es decir, que lo que ya estaba planteado, que en este sentido quiero subrayar, soy de los que piensa que la pandemia, la crisis sanitaria y socioeconómica global que se ha generado, no introduce cambios fundamentales de dirección respecto de algunas de las grandes tendencias que caracterizaban al escenario internacional. Más bien actúa como un profundizador o acelerador de fenómenos preexistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis sanitaria y todos sus efectos económicos, sociales y políticos, pues acentúan la rivalidad geoestratégica China-Estados Unidos, empezando por la polémica que hay sobre el origen mismo de la pandemia, acentúan la importancia que tiene la cuestión digital, la cuarta revolución industrial y todas sus implicaciones. Somos una expresión práctica de esto en esta reunión que estamos haciendo a distancia y que probablemente en otros casos se hubieran hecho de manera presencial, por una situación anterior. Ya existía esto, pero se ha acentuado. Varias de las tendencias que caracterizaban al proceso internacional se están acentuando. Y en particular, se acentúa también la tendencia a considerar cada vez con mayor atención la relación hombre-naturaleza, que para muchos y para la gran mayoría de los científicos es una de las razones del el desencadenamiento de la epidemia. Entonces, en este campo de la profundización de tendencias preexistentes, ya estaba planteada la superación del turismo de sol y playa para considerar la dinámica de seguridad, bienestar, y dos, que aparecen ahora con más notoriedad, la dinámica salud y el aspecto, digamos, medioambiental ecológico. Es decir, que en la oferta turística de los países, teniendo en cuenta esta nueva configuración, digamos, de la pandemia y de la pospandemia, hay que considerar la preservación y el respeto de los ecosistemas como un ingrediente fundamental, más que en el pasado, tratando de ser creativos, porque como dije, no se pueden reeditar los modelos exitosos o relativamente exitosos anteriores, y a su vez integrar más claramente la dimensión salud, que me parece va a ser mucho más valorizada en un futuro inmediato por los turistas. Entonces, todo esto debe ser integrado en la perspectiva de este enfoque crisis, turismo, desarrollo sostenible en las perspectivas estratégicas, y esto tiene que ver, y aquí termino, con las diversas dimensiones de la actividad turística que sin duda van a tener que ser consideradas de modo muy preciso por los países del Caribe. ¿Qué productos ofrecer? ¿Cuáles son las tipologías de clientelas turísticas que se pueden atraer, que pueden no necesariamente ser exactamente las mismas, o el peso relativo puede que no sea el mismo respecto de las situaciones pre-pandemia, y en definitiva ver de qué modo se precisa la oferta turística
específica de cada país. Eso me parece que son algunas de las consideraciones que se pueden hacer para abordar esta temática, de modo, como les dije anteriormente, muy sintético, porque el imperativo, digamos, de tiempo impide explayarse más allá. Pero seguramente podremos volver sobre algunas de estas consideraciones, enriquecidas con las intervenciones de los otros panelistas, en el marco de los intercambios y las preguntas y comentarios que se efectúen. Muchas gracias y nuevamente un gran agradecimiento a la FUNGLODE, al Polo Caribe del Instituto de las Américas y a todas las instancias que han contribuido a la realización de esta serie de 3 webinars sobre la problemática turismo y COVID-19 en el Caribe. Dejo la palabra entonces a Stéphane Fauché, que va a presentar el próximo ponente. Vas-y, Stéphane, la parole est à toi. Muchas gracias, Carlos. Je vous propose maintenant d'accueillir Olivier Dehorne. Olivier Dehorne, qui est professeur de géographie à l'Université des Antilles et qui évoquera cet après-midi les défis spécifiques des petites Antilles. Olivier, je vous donne la parole. Donc, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un placer compartir algunas ideas ahora. Mi reflexión será principalmente en las pequeñas islas de las Antillas, con algunos casos que conozco bien. Prefiero el enfoque del geógrafo. Tómese el tiempo para descubrir las realidades diarias del campo, el concreto. Por lo siguiente, preparo la comunicación en francés. Y no tengo tan facilidad para intercambiar las lenguas. Por lo tanto, voy a hablar ahora en francés. Voilà, dans l'expérience du COVID, en fait, que l'on a, c'est assez particulier. En fait, on a un moment privilégié, finalement, pour poser la réflexion. On sait qu'il y avait beaucoup de difficultés dans cette situation touristique. On parlait de surtourisme. On a de l'urbanisation qui se développe dans des milieux très sensibles, donc des situations en fait qui sont très fragiles, mais on n'a jamais pris le temps de s'arrêter, de réfléchir. C'était toujours la course à la course, la fuite un petit peu en avant. Donc finalement, l'expérience Covid, elle est assez intéressante, sans paraître trop cynique un petit peu, dans le sens où on a un temps de réflexion qui s'impose à tout le monde, un moment d'arrêt qui est imposé pour réfléchir. Donc là, en l'occurrence, c'est le tourisme. Le tourisme, ça concerne en fait les choix de développement de manière plus large. Et puis finalement, les conséquences, les impacts de ces choix de développement. Donc, on a un moment d'arrêt privilégié. Par contre, on ne peut pas se le cacher, sur le plan social, c'est une période qui est dure, en fait, pour les populations les plus faibles, les plus vulnérables, parce que en fait, elles subissent directement la violence un petit peu de la crise, comme cela a été donné. Donc, les acteurs les plus dépendants de ce tourisme, en fait, sont ceux qui souffrent le plus dans cette situation-là. Mais en fait, on est obligé de prendre un peu de recul pour comprendre un petit peu ce qui se passe et poser le problème à la base. Parce qu'en fait, on est toujours dans une course en avant où finalement, on essaie de trouver des solutions aux conséquences un petit peu de nos choix, mais on ne réfléchit pas un petit peu sur l'origine. Donc, il faut revenir un petit peu aux causes, revenir en fait à la racine pour voir un petit peu quels sont les fondements, quels sont les choix que l'on a fait. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Est-ce qu'on est obligé de tous courir dans cette direction avec une concurrence exacerbée entre tous ces petits territoires? Donc, en fait, il faut prendre le temps un petit peu de réfléchir. Et la période de crise, c'est le moment en fait où il y a une accélération dans cette réflexion. Jusque-là, on réfléchissait qu'en termes de volume, on parlait de surtourisme, surfréquentation ponctuelle, gestion des déchets, excès dans l'urbanisation, inégalité dans les revenus aussi. On est loin d'être sur un tourisme qui entraîne naturellement ce développement. Et avec une considération qu'il faut garder à l'esprit aussi dans la Caraïbe, on ne se situe pas sur la situation de l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, quasiment toutes les îles, elles sont partagées entre les Philippines et les Philippines et l'Indonésie. J'ai deux États-nations avec leurs faiblesses, mais qui finalement contrôlent l'ensemble quasiment de ces territoires, un petit peu la Malaisie, un petit peu la Thaïlande. Ici, dans la Caraïbe, on notera bien qu'on a une multitude d'acteurs avec des statuts indépendants, autonomes, semi-autonomes, et ils sont tous en concurrence entre eux parce qu'ils ont un besoin de ces revenus du tourisme. Donc, on a cette préoccupation-là qui est très importante.
On notera bien aussi dans le tourisme, puisqu'on a cette réflexion avec le développement durable, finalement, ce qu'on attend du tourisme, c'est qu'il procure un enrichissement. On attend du tourisme, en fait, qu'il y ait une capitalisation dans ces économies grâce au tourisme. Alors, je pourrais demander de manière cynique un petit peu, quel est le pays de la Caraïbe qui paye son assurance maladie grâce aux revenus du tourisme? Donc, j'ai une petite idée, je reviendrai sur cet aspect-là tout à l'heure. Donc, mais l'objectif pour la société, c'est la société, les territoires, les communautés d'accueil. Avant tout, en fait, c'est du bien-être, du mieux-être, donc qui s'inscrit dans une perspective durable. Et là-dedans, en fait, le tourisme, ça va juste être un moyen qui permettra d'aller vers ce mieux-être. Mais c'est pas le tourisme n'est pas une fin en soi. Et là, on va rencontrer au niveau des jeux d'acteurs une situation très complexe, parce que pour les industries du tourisme, le tourisme est une fin en soi. Si je suis dans l'industrie de la croisière, je suis pas là pour développer les territoires d'accueil, mais je suis là pour faire de l'argent avec la croisière. C'est la fin en soi. Donc, on a différents acteurs avec des poids politiques, économiques très variables et souvent, enfin très variables, très inégaux. Et au milieu de tout ça, en fait, il y a cet enjeu sur ce tourisme. Et pour les populations locales, fondamentalement, ce qu'elles veulent, en fait, ça sera du bien vivir. Donc, avec tous ces concepts qui viennent de l'Amérique latine, en fait, du bien-être, du mieux-être, en fait. Donc, on a un petit peu, voilà, cette situation-là. Alors, pour l'étude, en fait, je vous proposerai un petit peu quelques cartes postales un petit peu réductrices de faire le tour sur quelques petites îles, en fait, des Antilles, des petites Antilles, de l'arc antillais. Donc, tout d'abord, en fait, le tourisme, on va l'attendre, il va avoir un impact et un effet immédiat sur l'aggravation des inégalités, le malaise social, la perte des emplois directs, indirects, les petits boulots, tout ce qui gravite, en fait, autour du tourisme. Donc, je prendrai dans les îles, on a le cas vraiment de l'île de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, pour donner la taille, puisqu'on n'est pas du tout sur la République dominicaine, c'est un continent à côté, en fait, hein, et le Mexique, n'en parlons pas. Là, on est sur 617 km², 185 000 habitants, donc ça nous fait une densité de l'ordre de 300 habitants au kilomètre carré, et on dépend à peu près à 83% des revenus tertiaires et essentiellement du tourisme. Donc là, quand on a une crise, c'est très violent. C'est très violent. Il faut savoir qu'un taxi, il gagne l'argent sur la haute saison pour en quelques mois, il va gagner son salaire pour un an. Autour de lui, il va faire vivre 5-6 personnes, il va entraider des relations proches. Donc, quand il y a cette crise du Covid, là, ici, on a un réel désespoir. Il n'y a pas d'emploi, pas de petit boulot, pas d'argent. Et à ce moment-là, bon, le gouvernement prend des engagements, comme vous l'avez cité dans les rencontres précédentes. Il met un petit peu de l'argent à disposition des entreprises. À Sainte-Lucie, c'est 500 millions de dollars caribéens. Mais la percolation dans cette pyramide sociale, elle est très, très lente. Donc, à la base, en fait, c'est très dur. Donc, on a un petit peu le premier cas à Sainte-Lucie où on se retrouve dans une situation flagrante assez violente, en fait. On a toujours besoin de plus de revenus pour le tourisme, plus d'urbanisation, de moins en moins de pêcheurs, de moins en moins de production locale. L'agriculture, les exportations de l'agriculture pour Sainte-Lucie, c'est 3% des exportations. Et le pays lui-même, il est obligé d'importer de son alimentation. Il importe du riz, il va importer de la viande congelée et il va même importer des huiles qui seront mises en promotion quand elles arrivent en fin de série depuis la Martinique. On a tout un trafic en fait d'huiles plus ou moins bonnes en fait qui se font dans ces territoires-là parce que l'huile coûte très cher. Donc dans cette situation de crise, qu'est-ce que l'on a? C'est l'immigration, les migrations légales, illégales. On a une montée tout de suite aussi de la petite criminalité. La petite criminalité, elle est réprimandée difficilement chez soi, donc on va plutôt aller la faire à l'extérieur. On va aller vers des îles plus proches, des îles plus au nord, ça sera sans doute la Martinique aussi. On n'a pas de revenus touristiques, on est dans cette crise, en fait, on va se reconnecter davantage sur tous les réseaux des trafics de drogue, en fait, qui remontent les îles depuis la côte colombienne, le Venezuela, Trinidad, et on remonte ici. Puis aussi, faut pas se voiler la face, on a aussi la prostitution, avec des réseaux de prostitution qui sont très bien organisés, des lieux spécialisés. Donc, Sainte-Lucie, ça paraît tout petit un petit peu, mais on a un petit peu la situation du scénario noir. Donc, je passerai à une autre situation. Après, j'arrive sur le cas de la Martinique et la Guadeloupe. Et là, en fait, la crise, elle va se révéler véritablement comme un moment de prise de conscience. Prise de conscience, finalement, pourquoi on a tout mis sur ce tourisme? Pourquoi on donne autant d'importance au tourisme? En fait, pendant un an et demi, on s'aperçoit qu'on peut vivre. Les gros acteurs vont souffrir un petit peu du tourisme, mais on s'aperçoit qu'on a
des consommations intérieures plus importantes. Bon, le PIB n'est pas le même, hein. Je suis sur 24 000 euros du côté de la Martinique, autour de 20 000 du côté de la Guadeloupe. Donc, il y a un marché intérieur. Et puis, on découvre aussi que le tourisme, c'est beaucoup les diasporas, le tourisme de diaspora, et que même les consommations touristiques lors de du retour de ces diasporas en vacances vont être plus importantes que le tourisme international. Donc, finalement, dans le cas de la Guadeloupe, de la Martinique, on est sur un questionnement avec une façon de s'interroger sur finalement pourquoi on est parti dans un modèle touristique en fait qui s'inscrit dans l'économie des plantations, des grands développements, des grands hôtels internationaux, des subventions européennes pour soutenir ces grands hôtels internationaux. Et puis dans le paysage, il ne faut pas se cacher, on a aussi des hôtels en friche, on a des friches touristiques. À la Martinique, on a une magnifique pointe avec une vue sur la baie du Diamant. Elle a été captée par un hôtel, celui-ci est en friche. Aujourd'hui, c'est un vaste dépôt de bâtiments en ruine, en fait. Donc, en fait, ce tourisme aussi, il produit du béton, il produit de la friche. Donc là, en fait, on a une prise de conscience un petit peu avec une remise en cause de ce modèle. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, on développe, sans que ça soit porté institutionnellement, le tourisme durable sur la Martinique, la Guadeloupe, ça va passer par ce qu'on appelle le tourisme bocaille. C'est-à-dire, c'est le tourisme à la maison, c'est inviter le touriste à la maison, c'est le touriste chez l'habitant. Donc, on va construire des gîtes, on a une petite location, un bungalow. Je suis en ce moment dans un petit bungalow en bois du côté de la Guadeloupe. Le bungalow, il est situé au fond d'un jardin, mais là, au moins, ce sont des revenus qui vont appartenir à quelqu'un localement et le touriste, il va être accompagné dans ses rencontres sur le terrain. On va lui indiquer les marchés, les restaurants, on va l'accompagner dans les visites. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un tourisme qui commence à s'intégrer véritablement dans le territoire. C'est un petit peu la difficulté. On était sur un tourisme un petit peu hors sol. Tourisme hors sol, avec un modèle qui était extraverti et qui s'imposait avec des dégâts en fait environnementaux importants et des situations écologiques en fait assez dramatiques aussi. Donc, en fait, pour la Guadeloupe, la Martinique, c'est vraiment un temps d'accélération dans cette prise de conscience qui va vers un modèle de tourisme intégré. Je citerai un petit peu le cas aussi en deux, trois lignes sur Saint-Barthélemy. Là, on est sur du tourisme de luxe, du tourisme haut de gamme. Saint-Barthélemy, c'est 23 km². Toute l'économie dépend du tourisme. Ce temps de crise, ça veut dire quoi? C'est juste un moment en fait où on perd de l'argent. On perd du temps, on perd de l'argent. Par contre, la valeur immobilière, la valeur du foncier, en fait, elle ne cesse de prendre de l'importance. Les grands hôtels investissent toujours plus. Donc, on sait qu'on a de la... En fait, on va rattraper tout cela très vite. Et quand on passe une semaine en quarantaine, qu'on est dans une villa privée du côté de Saint-Barthélemy, bon, bah, c'était l'objectif, parce qu'en fait, on fait du tourisme entre soi dans des lieux très réservés. Donc, le tourisme de luxe, le tourisme haut de gamme, il n'est pas touché par cette crise. Il y a un effet de rattrapage, en fait, très rapidement. Et il y a des investissements qui se font en fait dans toute l'infrastructure en fait qui sont colossaux. Donc on perd du temps, mais en fait il y a un rattrapage, un positionnement qui est intéressant. Et j'en arriverai au quatrième cas rapidement un petit peu. Je les simplifie sur la Dominique. Tout à l'heure on évoquait le Costa Rica. La Dominique c'est un petit peu le modèle du Costa Rica, mais appliqué en fait à l'arc antillais, aux petites îles. Donc on est parti sur le tourisme, l'écotourisme. On est parti sur l'événementiel, sur les festivités. Et puis, on met en avant cette notion de tourisme communautaire. On a fixé aussi un objectif, c'est 90 000 touristes. Bon, on a 71 000 habitants. On est sur 750 km², 97 000 touristes. Et en fait, les prix augmentent régulièrement. On va pas courir derrière un flux de touristes toujours plus important. Peut-être qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs. Mais en fait, on va jouer sur la qualité et on va augmenter les revenus par tête de touristes. C'est très important. Les hôtels aujourd'hui, en l'espace de 10 ans, maintenant, ils ont complètement distancé l'offre hôtelière qu'on avait sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Si on prend les hôtels 3 étoiles et plus, ben, le prix est plus élevé en Dominique que pour la Martinique et la Guadeloupe. Donc, il y a un choix stratégique, un tourisme intégré, approprié dans le territoire. Et ce tourisme, il n'est pas exclusif. Il se met en synergie avec les autres secteurs d'activité, la pêche, l'agriculture. Il ne faut pas qu'on importe de l'alimentation pour nos hôtels, mais il faut qu'on soit en mesure de fournir de l'alimentation locale aux hôtels, en fait. Et par ce biais-là, même de pouvoir développer une petite agro-industrie qui permette d'exporter des productions. Donc, en fait, on garantit en fait sa sécurité alimentaire. Pas beaucoup de choix dans l'alimentation, peut-être, mais en fait, des produits de qualité, une agriculture organique et qui permet de soutenir. Et on sait qu'en temps de crise, en fait, d'avoir de l'alimentation chez soi sur le terrain, c'est très important.
Donc la Dominique, en fait, elle passe en fait cette période avec des programmes. Donc on va encore plus accentuer ce positionnement. Et la stratégie, c'est notamment de développer du tourisme résidentiel. Donc ça veut dire moins de flux touristiques avec des touristes qui restent plus longtemps, des touristes qui vont consommer plus localement et à partir desquels il y a plus de relationnel, relation entre les touristes et les populations locales. Et le programme en fait qui permet à la Dominique en fait de bien rapporter de l'argent aussi, c'est ce programme de la citoyenneté par investissement. Donc il faut que l'île elle soit belle, qu'elle ait une belle attractivité, qu'il y ait une bonne qualité de vie. Et finalement, en fait, bon, en même temps, on a des passeports qui permettent de voyager dans les pays du Commonwealth et dans l'espace Schengen pour le moment. Et donc, en fait, si on dépose 100 000 dollars, eh bien, en fait, on a ce passeport et cette citoyenneté de la Dominique. Par contre, on fait un don à cette fondation, en fait, pour la diversification de l'économie de la Dominique. Ce don nous permet d'avoir le droit de vote également. Donc, il y a toute une enquête qui est faite un petit peu ici. Et finalement, c'est un petit peu d'imaginer comment sortir d'un modèle touristique classique et d'avoir en fait plus d'investissement sur le territoire, une diversification en fait de notre économie, de garantir en fait l'attractivité de la destination, mais de ne pas être dépendant en fait d'une logique du tout tourisme. Ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais, c'est-à-dire choisir son développement, mais ne pas le subir et savoir ce qu'on subit, pourquoi on le subit. Et à partir de là, composer, s'adapter avec en fait ces pressions pour pouvoir le contourner le moment venu. Donc, le positionnement en fait de ces destinations, c'est très important en fonction des territoires, de leur potentialité et un positionnement opportun, judicieux, en évitant en fait ces concurrences en fait qui font que les petites îles, elles peuvent pas répondre à la concurrence de Cuba ou de la République dominicaine. Donc, il leur faut des modèles, en fait, spécifiques ici. Et l'idée, c'est d'aller vers un tourisme résidentiel, une rencontre, en fait, un dépassement, finalement, du tourisme tel que l'on a, de privilégier un buen vivir, mais partagé entre les touristes et les résidents, donc pour qu'il y ait de meilleures perspectives sur ces territoires. Voilà, je synthétise très largement, j'en resterai là, je vous remercie et je reste à disposition pour échanger après dans le reste de la présentation. Merci Olivier pour votre intervention. Je vous propose maintenant de passer la parole à Isabelle Delannoy et Pascal Petit. Isabelle Delannoy est environnementaliste, elle est ingénieure agronome, elle est également spécialiste de l'économie symbiotique pour lequel elle a écrit un ouvrage en 2017. Pascal Petit est économiste, il est directeur de recherche du Centre d'économie de Paris Nord, Paris 13, et Isabelle et Pascal, successivement ou conjointement, nous proposent cet après-midi de nous parler de nous présenter la théorie de l'économie symbiotique et nous faire part d'une expérience de la dynamique de cette économie symbiotique en Guadeloupe. Isabelle et Pascal, je vous passe la parole. Je vous remercie, merci Pascal, merci, bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation à intervenir dans le cadre de ce webinaire et à Pascal Petit d'avoir proposé justement que je partage cette expérience que nous avons vécue en Guadeloupe autour de la théorie symbiotique. En fait, j'ai exposé en effet dans un ouvrage en 2017 qui s'appelle « L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société ». Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir parler en espagnol et je vais m'exprimer en français et je vais vous présenter tout d'abord succinctement la théorie, ses acquis, le contexte en fait dans lequel nous sommes arrivés en Guadeloupe, présenter un peu le processus que nous avons suivi et pourquoi nous avons organisé des ateliers pour une vision d'une Guadeloupe en économie symbiotique, les résultats et puis nos ambitions.
Donc, alors, qu'est-ce que l'économie symbiotique ? C'est une théorie donc que j'ai écrite à partir de l'observation de pratiques économiques, techniques, productives, qui avec la caractéristique de savoir régénérer leurs ressources, c'est-à-dire régénérer leurs ressources vivantes, comme par exemple peuvent le faire des processus d'urbanisme écologique qu'on appelle les villes fertiles, les infrastructures vertes et bleues où on recueille les eaux de pluie non plus en redimensionnant les systèmes d'égouts mais en installant des jardins de pluie qui vont infiltrer naturellement les eaux et réhumidifier en fait l'atmosphère de la ville grâce à une végétation spécifique, ou encore épurer des eaux usées là aussi grâce à des écosystèmes choisis et aménagés pour leur capacité à épurer les eaux grises, les eaux noires, voire les eaux industrielles, ou encore des toits végétalisés pour isoler les bâtiments, pour climatiser la ville, pour isoler pas seulement donc d'un point de vue de la température, mais aussi d'un point de vue du bruit, et tout cet ensemble de techniques qui est en train de croître dans l'aménagement urbain. C'est aussi, par exemple, la permaculture ou l'agroécologie qui va utiliser des écosystèmes de plantes pour enrichir les sols, augmenter leur fertilité, réduire la présence de ravageurs ou la sensibilité aux ravageurs, et va ainsi rendre les processus écologiquement intensifs pour augmenter la production. Les régénérateurs de leurs ressources de matière aussi, c'est ce qu'on connaît sous la forme de l'économie circulaire où tes déchets deviennent mes ressources, mais aussi de façon plus efficace des systèmes industriels où l'usager ne possède plus le bien, en fait le fabricant ne vend plus la voiture, le smartphone, nous n'importe quel bien de consommation et d'équipement, l'ampoule électrique ou le vêtement, mais on loue l'usage. Et de ce fait, il récupère en fait ces biens en fin d'usage et il va pouvoir réutiliser les composants dans des générations de nouvelles machines. Et ce faisant, il régénère sa ressource. C'est aussi des processus sociaux. Notamment les mouvements coopératifs, les mouvements où encore de ce qu'on va appeler le management libéré, l'open source, l'intelligence collective, où des acteurs mettent en commun des ressources pour pouvoir régénérer les ressources sociales, qu'elles soient du capital, des compétences ou du lien social. Donc, le constat, en fait, c'est que ces pratiques ont émergé dans toutes les activités, autant bien dans l'énergie que dans les biens d'équipement, que dans la gestion de l'urbanisme, la nourriture. En fait, elles forment une économie complète. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'elles forment une économie globale. Pourquoi ? Parce que ces pratiques observent les mêmes principes pour arriver à des impacts positifs. Et c'est ces principes que j'ai identifiés dans la théorie qui sont au nombre de 6. Tout d'abord, ils reposent sur la diversité des acteurs qu'on va mettre en coopération directe. Il n'y a pas d'intermédiaire ou très peu, un seul au grand maximum. Et ils vont partager non seulement des intérêts convergents pour faire économie, mais ils vont aussi partager des valeurs. C'est des communautés d'intérêts et de valeurs qui se croisent sur ces flux de ressources. Ces valeurs peuvent être sociales, elles peuvent être écologiques, elles peuvent être aussi souvent territoriales. Et c'est ce qui a énormément motivé notamment notre arrivée en Guadeloupe. C'est une identité territoriale, ça c'est très très fréquent. C'est des pratiques qui, ça va construire en fait des écosystèmes. Toutes ces pratiques régénératives se font en fait avec un écosystème d'acteurs. On est bien dans l'entreprise et ses parties prenantes, on est bien dans l'acteur économique et son écosystème social et économique. Et elles vont utiliser en priorité les services rendus par ces écosystèmes vivants. On va utiliser la capacité des écosystèmes à infiltrer les eaux de pluie ou à épurer les eaux, ce qui va permettre de les maintenir. On va
utiliser la capacité de ces écosystèmes industriels à régénérer leur matière, à pouvoir faire des flux d'énergie, ce qui va contribuer à les maintenir. Ils vont chercher aussi l'efficience. C'est pour ça qu'on aboutit souvent à des circuits courts, des circuits restreints au niveau du territoire, où on va avoir une densification des échanges pour être de plus en plus efficient, les acteurs en fait se connaissant de mieux en mieux. Et enfin, pour qu'elle soit complètement durable, en fait, puisque mon objectif au départ était la durabilité, on va chercher l'inclusion maximale de ces activités dans les grands équilibres planétaires, qu'ils soient biogéochimiques, hein, le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, mais aussi physiologique, les polluants qui vont avoir des perturbations hormonales, qui vont être la cause de cancers, mais aussi psychologiques. Et ce faisant, pour installer une durabilité globale, en fait, dans ces écosystèmes, ce qui va en fait sélectionner les ressources et les pratiques. Tous ces systèmes régénératifs, ces logiques régénératives, pour avoir les impacts positifs qu'on attend d'elles vers la durabilité, eh bien, elles fonctionnent selon ces principes. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a bien une économie complète qui est apparue, complète et globale, qui peut se théoriser de la même façon. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que elle amène de la résilience parce que, en fait, elle part des territoires. Quand on voit cet écosystème, cette économie émerger, elle part d'écosystèmes territoriaux et répondant aux besoins des acteurs du territoire, aux besoins des habitants. Et c'est ainsi qu'on va avoir une croissance, en fait, qualitative qui répond aux besoins des habitants et qui va créer une croissance économique, sociale, une prospérité économique, sociale, qui va ensuite rapporter des flux exogènes. La dynamique est d'abord endogène et ensuite elle va ramener des flux exogènes. Je pense par exemple au land du Vorarlberg en Autriche, qui est parti des besoins des habitants, de précarité, des logements, etc., suite à une grosse crise industrielle, un mouvement d'architectes, et aujourd'hui c'est une école d'architecture qui exporte ses process, qui exporte des matériaux à partir de la gestion durable des forêts, qui exporte des techniques de pointe et qui fait que c'est devenu un des lands les plus prospères d'Europe. Ensuite, on s'aperçoit que ces acteurs, ces pratiques ont émergé partout. Ils ne font pas encore économie, ils ne sont pas forcément liés, mais ils ont émergé partout, dans tous les territoires, dans tous les pays. Pays chauds, pays froids, pays riches, pays pauvres. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lorsque ces systèmes se lient, ils rentrent en complémentarité, ils rentrent en synergie, et lorsque les écosystèmes d'acteurs se constituent, ils vont jusqu'à former des sociétés de territoire qui partagent la valeur et qui amènent de la rentabilité là où il n'y avait où un système est réputé ou un produit est réputé non rentable. Et bien, grâce à l'écosystème produit, de co-valeur, eh bien, on arrive à atteindre la rentabilité de secteurs qui ne l'étaient pas. Et je pense notamment, par exemple, on a un cas en Bretagne, en hydrogène, où l'hydrogène vert est réputé non rentable. En appliquant des processus symbiotiques comme cela, et en créant au fur et à mesure son écosystème à partir des besoins du territoire, eh bien, il a montré une rentabilité en 3 ans. Donc, c'est très intéressant parce que, notamment pour les îles, parce qu'on voit que, eh bien, on est bien dans un système qui va densifier l'usage de ces ressources. Et on est dans un système qui a besoin d'identité territoriale. Alors, l'identité territoriale est forte dans les îles. Or, la densification de l'usage des ressources est très importante dans les îles parce que on sait ce qu'on importe. On sait très bien aussi qu'on va rarement exporter les déchets issus de ces importations et que tout reste sur le territoire. Quand une pollution comme le chlordécone en Guadeloupe est sur le territoire ou en Martinique, mais donc là j'étais en Guadeloupe, elle reste sur le territoire et va bien falloir s'en débarrasser. Et donc le contexte dans lequel nous sommes arrivés en Guadeloupe, hein, c'est que la lecture de mon livre en fait avait intéressé des acteurs très très différents qui ne se connaissaient pas forcément. Et un de ces acteurs, à une association qui s'appelle Yonalot, centrée sur la biodiversité, avait vraiment l'envie de proposer un processus vers une Guadeloupe symbiotique en se posant la question d'un pôle de compétitivité.
est-ce que nous ne pourrions pas créer un pôle de compétitivité pour aller vers une Guadeloupe symbiotique ? Et moi, de France, en fait, enfin de l'Hexagone, j'avais reçu plein de manifestations d'intérêt d'acteurs guadeloupéens qui lançaient des choses de façon symbiotique, mais qui ne se connaissaient pas forcément. Donc, en fait, cette petite association a eu besoin de quoi ? Elle a eu besoin d'une entreprise, en fait, qui sponsorise, en fait, l'événement et qui puisse nous faire venir. Et là, à partir de là, on a organisé, en fait, des ateliers où on a d'abord projeté dans ce récit imaginaire, d'ailleurs, qui a commencé ce webinaire, c'est-à-dire en partant des ressources du territoire, en partant de ces problèmes, beaucoup de coupures d'eau en Guadeloupe, beaucoup de problèmes d'épuration, beaucoup de problèmes liés au chlordécone, beaucoup de problèmes de chômage. Eh bien, nous faisons de ces problèmes des enjeux et des leviers, et en regardant les ressources du territoire, le jardin créole, la possibilité de coupler des techniques très traditionnelles comme les citernes de recueil d'eau de pluie, avec des techniques extrêmement modernes de capteurs qui va mesurer la qualité des eaux et qui va permettre une base de données, par exemple, contrôlable par les autorités publiques. Et donc, on projette comme ça dans un compte où j'applique la théorie symbiotique de façon complète à toutes les activités aux problèmes et où on va mettre en synergie pour que les acteurs puissent se projeter dans un nouvel imaginaire. Et là, en fait, ils challengent le récit et ils se réapproprient le récit. J'y crois pas. Et ils décident, on y va ou on n'y va pas. Et ça, c'est très important parce que ça permet de mobiliser, en fait, des acteurs sur une vision finalement assez radicale d'un autre développement. Et ce que ça a produit, en fait, ça a produit des projets, notamment aussi des projets de résilience et d'un tourisme qualitatif qui puisse à la fois accueillir, en fait, favoriser l'arrivée d'investissements extérieurs, d'apports exogènes grâce au tourisme, mais qui puisse nourrir, en fait, des productions locales, d'agriculture locale, d'éco-bâtiments locaux, de réimplantation de jardins créoles et ce genre de projet. Donc, aujourd'hui, les résultats, c'est un pool de projets, c'est un pool d'acteurs qui a appris à se rencontrer, très, très divers, universités, petites entreprises, très grandes entreprises, associations, et qui, on s'aperçoit, ont en effet une volonté de ce qu'on pourrait appeler une Guadeloupe symbiotique ou un oasis planétaire qui tire parti de cet incroyable réservoir de biodiversité, puisque c'est un des 32 hotspots mondiaux de la biodiversité, et qui en même temps a parfois des intérêts divergents, même si ils ont une volonté commune. Et donc, c'est de pouvoir, en fait, relier ces acteurs, chacun dans leur, à la fois chacun dans leur écosystème, et à la fois vers une vision commune, où au fur et à mesure, on tisse les intérêts convergents au-delà des différences. Donc, nous, nos ambitions par rapport à ça, et ce qu'on voit possible à partir de cette expérience, de ce qu'on aimerait développer, c'est, on a la même, c'est simple en fait, ce qui se passe en Guadeloupe, on a la même volonté qui a émergé en Guyane, parallèlement, sans le savoir. On l'avait eu aussi à La Réunion, mais à un moment où on était moins structuré pour y répondre. Et nous, on pense que vraiment, à partir des îles, on peut développer des méthodes réplicables desquelles on attend des retours sur investissement et qui puissent en fait être testées, expérimentées, dupliquées et qui puissent vraiment faire un pôle attractif mais pour le monde entier, puisque ce que ces îles connaissent à échelle concentrée, c'est ce que le monde en fait est en train de connaître, et qui puissent installer des activités résilientes, complémentaires et solides en fait par rapport aux grandes crises comme la Covid a pu nous la montrer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle. Peut-être que Pascal Petit souhaite intervenir. Pour plusieurs raisons. D'abord pour rappeler des éléments, enfin souligner certains des éléments
qui rendent les principes que vient de rappeler Isabelle très importants. Le premier, c'est qu'effectivement, on a eu une crise du tourisme, une crise du Covid qui a frappé très durement nombre de pays. Et la première des choses, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. C'est-à-dire que de toute façon, le tourisme va être obligé de se transformer. C'est quelque chose qu'on a vu. Mais il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, qui rend tout à fait important cette réflexion sur les principes de transformation, c'est que le changement climatique continue, le réchauffement de la planète continue, et les pays des Caraïbes font partie des plus menacés par cela. Donc il y a, on peut parler d'une opportunité, c'est une nécessité, c'est-à-dire de profiter en quelque sorte de cette occasion pour s'armer contre les dévastations climatiques qui ont déjà commencé, le gradient continue, ces pays sont de plus en plus frappés, il faut savoir comment résister, dans quelle mesure, et c'est une des grandes questions, cette dualité-là, qui amène un certain nombre de constats que je voudrais souligner avec vous. On a bien affaire à une transition écologique, c'est-à-dire s'adapter, savoir lutter, favoriser la résilience. C'est aussi une évolution sociale de l'organisation de nos sociétés. Et là, je reviendrai sur quelque chose qui ressort déjà très nettement des présentations précédentes, c'est la spécificité, en particulier soulignée par Olivier et rappelée par Isabelle, spécificité des sociétés. Les îles ont un fort lien social. Le Costa Rica, qui n'est pas une île, a aussi ses personnalités, mais il faut garder en tête ces spécificités, ce lien social qui va pouvoir être mobilisé, mais pas sur des modèles trop simplistes. Il faut vraiment prendre un peu de recul pour voir ce qu'il peut faire. Puis ce sont, de ce fait, comme nous, nos sociétés sont confrontées à ces problèmes, c'est aussi un problème d'une transition mentale. Il y a une autre Isabelle Stengers, qui distingue ces trois dimensions, et je trouve que c'est important, et je reviendrai sur les impacts sur le culturel pour permettre justement de passer cette échappe-là. Alors, je crois que les principes qu'a fait ressortir Isabelle sont très justes. D'abord, il y a une dimension locale que l'on retrouve partout, comme le lieu où l'on apprend le mieux à résoudre ces problèmes de transformation des environnements. Alors, ça peut être des dégradations. Elle a rappelé la situation des alimentations d'eau. C'est un problème très, très important. Il y aura aussi la question de l'énergie. Il y a beaucoup de façons de produire des énergies renouvelables. C'est un problème qui va se poser dans les années à venir de plus en plus fortement, pour lequel il faudra trouver des solutions. Et puis, il y a les problèmes des terres. On n'a pas parlé de la forêt, mais c'est aussi un problème de l'entretien, tout ça. Et pour tout ça, il faut avoir des perspectives de collaboration, de solidarité qui sont en accord à la fois avec les réalités géographiques, mais aussi avec les particularités des liens sociaux. Je crois que derrière tout ce qui était dit sur la Guadeloupe, il faut aussi imaginer une société qui a ses traditions, ses solidarités, qui a pris conscience de certaines de ses richesses et qui va les défendre. D'autres les défendront d'une autre façon. Il y a aussi un aspect que je voulais souligner, c'est que c'est pas forcément des solutions simples. C'est parfois des solutions très compliquées au sens où très sophistiquées, qui demandent plusieurs variantes. Essayer de le faire de telle ou telle façon. Il y a beaucoup d'empirisme aussi pour y arriver. Je pense à des phénomènes comme à la méthanisation, par exemple, pour que le gaz renouvelable devienne quelque chose qui puisse être utilisé dans ce processus. Eh bien, c'est pas simple du tout. Ça dépend d'une gestion des déchets. Ça dépend de différents stades. Il y a tous les principes de la permaculture ou qui sont en jeu, c'est-à-dire non pas
c'est-à-dire une attention à la taille des espaces, au rythme avec lequel se renouvellent des pratiques agricoles. Et là, il y a un lieu d'échange. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps puisque le réchauffement climatique n'attend pas. Il va falloir apprendre à la fois à résister et puis sortir de la crise implique quand même d'agir assez vite. Alors, il y a une autre chose qu'on n'a pas évoquée et qui me semble importante, c'est que quand on doit agir assez vite, bien sûr, l'industrie touristique va réagir, mais il faut tenir compte aussi que les populations du monde entier, dont les touristes sont une partie, sont soumis doivent faire face dans leur propre pays à ses propres problématiques. Et dans ce cas, le tourisme va participer à un apprentissage de ces mesures, de cet esprit, de cette transition, comme une école. Une école, c'est un élément important. Donc, il y a des pratiques d'apprentissage, de réflexion. Autrement dit, les touristes seront potentiellement beaucoup plus ouverts à un apprentissage de comportement écologique, à la qualité sanitaire, bien sûr, d'éléments, mais aussi à la protection du paysage. Il y a toute une sensibilité qui va naître, et parce qu'on y pousse un gros. Et puis, non seulement ça va dépendre de la culture, mais ça peut, quand je prends l'exemple de quelques associations qui favorise justement cette éducation aux nouvelles conditions, à cette nouvelle transition trois-dimensionnelle. Beaucoup le font sous forme de jeu. Il y a une association en France s'appelle la Fresque du Climat qui joue comme ça. L'association La Fonda le fait aussi. Et La Fonda, elle a même un avantage tout de suite, c'est qu'elle le fait, elle fait son jeu autour des objectifs de développement durable qui sont justement à l'image de cette globalisation du problème. Il y a des globalisations qui sont bonnes. Ça, c'est une globalisation qui fait qu'il y a une espèce de langage universel qui va se traduire selon les pratiques de chacun de façon différente, mais qui va permettre une certaine concentration des effets, lancement de dynamiques à l'échelle locale dans tous ces pays complètement différents que sont les îles. Pourtant, non seulement j'ai rappelé la complexité, mais je dois souligner aussi certaines difficultés. Nous avons monté à Paris un petit groupe avec des représentants des PUID, un petit groupe d'études sur la vulnérabilité et résilience, avant même la Covid, mais déjà où on voyait bien certaines difficultés. Bon, il y a les grands entrepreneurs du tourisme international, il va falloir les ajouter sur ce modèle, mais il y a aussi des problèmes culturels. On n'a pas parlé ou peu de tout ce que peut créer Internet. C'est à la fois un outil, c'est comme la langue d'Ésope, ça peut être le meilleur et le pire. Il faut pas oublier que pendant la période de Covid, c'est quelque chose qui a profondément transformé l'univers culturel de tous les pays du monde, mais en particulier aussi des différents pays concernés, les différents petits États insulaires en développement. D'ailleurs, dans le groupe que nous avions, il avait été souligné un rapport de l'UNESCO qui parle de cette crise culturelle et de ces transformations induites par les technologies de l'information et par rapport auxquelles il faut d'une certaine façon que chaque société se prémunisse ou sache se prémunir ou quoi. Là encore, c'est un combat global sur lequel, disons, on pourra tirer des enseignements divers et variés. D'ailleurs, dans notre groupe, il y avait des amis, collègues, professeurs, à la fois en Guadeloupe et puis à Trinidad, qui avaient montré à quel point l'offre des festivals dans le bassin des Caraïbes était à la fois riche, dynamique, soumise à différentes contraintes. Donc, cette dimension culturelle était bien prise en compte et il ne faut pas sous-estimer les difficultés que rencontre cette dynamique culturelle dans les conditions actuelles. Les îles, c'est par définition aussi l'eau et l'océan est lui aussi en pleine transformation. Il faut trouver aussi sur ces questions très spécifiques
des moyens de protéger les côtes, de protéger les Posidonies, le renouvellement de tout ça. Ça fait partie de toutes ces grandes questions qui sont posées et qui vont, je crois, accompagner un renouveau touristique. Voilà pour ce que je crois, je voulais souligner dans quelle perspective je lisais tout ce que nous a souligné Isabelle pour justement cette reconversion des territoires. J'ajouterai, je soulignerai encore la spécificité du modèle, les choses qui sont communes et les choses qui doivent se résoudre sur le territoire par des pratiques différentes de coopération. Je vous laisserai là-dessus réfléchir et en vous soulignant que nos séminaires, les séminaires que nous avons eus sur ces questions, nous avons eu un en mi-décembre 2020 sur vulnérabilité et résilience, se feront l'écho en quelque sorte de quelques-unes de ces propositions et seront accessible sur le site de Faune Globée pour plus d'informations. Voilà, merci à tous dans ce grand mouvement qui à la fois est global et qui aussi demande à être appliqué au niveau local avec en tenant compte de l'histoire des liens sociaux contemporains. J'ajouterai une dernière chose intéressante, je trouve, c'est ce qu'on appelle la future littératie, c'est-à-dire que toutes ces communautés doivent apprendre à produire leur propre récit du futur, en quelque sorte, pour reconstruire dans les conditions changeantes et difficiles dans lesquelles nous sommes. Et je suis en contact avec ce sujet-là, avec le département qui, à l'UNESCO, justement, travaille sur cette élaboration des récits, restructuration des imaginaires. L'imaginaire est quelque chose de tout à fait important dans ces luttes. Il faut voir que nous avons à les reconstruire et que c'est pas un modèle unique qui doit être diffusé. C'est ça, ce sont les dangers qu'Internet, que la diffusion d'Internet risque là. Il faut arriver à reconstruire nos imaginaires en prise avec les situations locales que l'on a évoquées. Merci et puis bonne suite à tous ces travaux sur ce même chemin de transition écologique, sociale et mentale. Merci beaucoup Isabelle et Pascal pour votre intervention. Je vous propose qu'on continue cette présentation en accueillant Elisabeth Barincou. Elisabeth qui est responsable de l'unité territoriale Saint-Martin-Saint-Barth et qui travaille notamment à la direction de l'environnement et de l'aménagement et du logement d'ailleurs de la Guadeloupe. Alors Isabelle, cet après-midi, va nous parler de l'éclatement du tourisme et des défis qui en résultent, notamment sur les destinations insulaires des Caraïbes, dans un contexte de renouveau du tourisme après la pandémie du Covid-19. Donc Elisabeth, je vous passe la parole. Alors, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mon écran? On vous voit, Elisabeth. Bon, et l'écran, est-ce que j'ai partagé mon... On voit aussi votre écran. Tout va bien. Bon, bah merci à l'Institut des Amériques de m'avoir proposé d'intervenir sur ce séminaire. Moi, je voudrais partager le travail que j'ai pu faire sur le Covid-19 comme accélérateur de tendance entre le paradigme de la dispersion et le paradigme de l'assimilation et de la proxémie. Voilà, j'espère que ce sera clair. Et j'espère que ça va marcher. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Donc, Saint-Martin, très rapidement. Donc, Saint-Martin, c'est une île microscopique et proche de Saint-Barth, proche d'Anguilla, avec une partie française et une partie hollandaise. Partie hollandaise qui est très marquée par le tourisme de masse et une partie hollandaise et une partie française qui essaie de se distinguer, notamment sur un positionnement chic et friendly. Voilà, petit
petit rappel très rapide, puisque ça a été déjà beaucoup dit. En fait, on est donc le tourisme a eu plusieurs mouvements avec donc le développement spontané au début, donc l'invention de la Côte d'Azur et puis ensuite donc des travaux de Daniel Yernaux sur Acapulco notamment, le développement donc toujours avec Daniel Yernaux la théorisation du modèle hôtelier ou fordiste. Avec le modèle Sea, Sun and Sound et une planification spatiale et économique par l'État qui a été très importante, qui a vraiment structuré les différentes destinations, un tournant néolibéral qui a été théorisé notamment par Olivier Dehorne, que j'étais ravie d'entendre, avec la dérégulation des marchés économiques et immobiliers, avec un tourisme post-fordiste et diversifié, où vraiment là, sur Saint-Martin, avec la défiscalisation et la loi Ponce, il y a eu, Saint-Martin, en tout cas dans la partie française, est vraiment un archétype de la défiscalisation et de la dérégulation des marchés touristiques, avec un défi supplémentaire qui est le défi des risques naturels, puisque Saint-Martin, comme l'a dit Véronique Legris la semaine dernière, donc du Club du Tourisme, a été confronté là à plusieurs crises, mais notamment une crise très importante d'Irma et de la reconstruction post-Irma. Il y a eu un tournant donc avec le voyage aventure et le nomadisme d'agrément. En résistance au tourisme de masse et dans le tournant néolibéral, l'idée du paradigme de la dispersion et du nomadisme. Voilà, tournant sécuritaire entre 2001 et 2015, et puis depuis 2020, un tournant sanitaire qu'on est en train de prendre. Le tourisme, donc c'est un objet d'étude qui est au carrefour des différentes sciences sociales, avec donc le tourisme pour les. On a été beaucoup dans le monde européen sur le paradigme de l'attraction versus le paradigme de la dispersion, avec une approche qui a été géographique et une approche anglo-saxonne par l'anthropologie avec les relations host and guest, qui se rencontrent, comme l'a très bien dit l'intervenant précédent, autour des imaginaires touristiques. Il me semble, moi, qu'on est en train de confirmer une tendance lourde de la rencontre entre le paradigme de la dispersion et le paradigme de l'assimilation. Donc ça, c'est quelques éléments qui ont été, très rapidement, la revue Espace s'est positionnée avec différents chercheurs sur les tendances post-Covid. Je vous les livre telles qu'elles ont été. Présenté à chaud au mois de juillet, au moment de la juillet 2020, au moment de la première du premier confinement et de la première phase de pandémie. L'évolution et ce qu'on peut entendre du tourisme, donc c'est la formation une habitude des vacances avec la formation d'un capital social international et spatial du voyageur. Le désir d'ailleurs, donc de Franck Michel, anthropologue. En lien avec le souhait d'éloignement des subversions spatiales. Ça, à Saint-Martin, on est très, très touché par ça, puisqu'on a très peu de foncier. Et puis, il y a eu une explosion du tourisme avec la défiscalisation dans les années 80. Et donc, la recherche a été modélisée par Jean-Didier Urbain des intervalles de l'interstice de l'espace tissulaire touristique. Donc, d'abord, on va chercher les interstices dans une démarche qui peut s'approcher de la contagion. Et ensuite, on va peut-être vers du tourisme expérimental, c'est-à-dire, Jean-Didier Urbain nous dit, le tourisme interstitiel, c'est je vais visiter un musée la nuit ou je vais visiter un musée à un horaire où personne ne visite ce musée. Le tourisme expérimental, je me fais enfermer dans ce musée la nuit et j'ai une expérience qui est tout à fait hors norme dans un espace qui est un espace qui, normalement, est dédié au tourisme. Enfin, voilà. À la visite. Formation d'une géographie personnelle du voyageur. Moi, je ne veux pas être trop longue là-dessus, je peux détailler. Et puis, quelque chose moi qui me semble important avec le tourisme, la tendance touristique que va dessiner le Covid, ou la Covid, la clandestinité, c'est-à-dire on était sur l'invention des vacances et d'un temps donc d'un temps vide à l'invention d'une sédentarité laborieuse, c'est-à-dire qu'on est passé d'un nomadisme d'agrément à une notion de où on va rechercher la sédentarité et paradoxalement rechercher le travail pendant ses vacances.
Voilà, j'ai donc quid de Saint-Martin. J'ai fait un travail à l'Institut des études d'Amérique latine à partir de nuages de mots sous la direction de Sébastien Velu. Donc j'ai fait des nuages de mots sur l'offre touristique à Saint-Martin. Donc voilà, je vous les présente pas parce que j'ai un quart d'heure et puis que c'était tout à fait la plupart étaient prévisibles. On est en analyse de nuages de mots, enfin de champ lexical sur l'office de tourisme de Saint-Martin sur une offre Sea, Sun and Sound, donc est l'agrégat de la Caraïbe. Hein, ça c'est avec l'idée d'une promotion groupée sur la Caraïbe qui a été évoquée lors du deuxième webinaire, une destination maritime de navigation, de croisière et de voilà avec un focus sur la biodiversité marine tropicale, une offre d'escapade romantique avec une promotion de la filière mariage à Saint-Martin, une offre prestige que Véronique Legris a très bien présentée la semaine dernière avec une hôtellerie haut de gamme et des villas de luxe avec des parcelles de bonne taille qui ont été vendues et où on a eu des villas de très très haut niveau qui ont été construites, donc avec à la fois la location de villas et puis une hôtellerie haut de gamme qui résiste très bien à la concurrence mondiale avec une clientèle 80% américaine de repeaters, donc de personnes qui sont fidèles à la destination malgré les 4 années de crise qu'on a eues, qui reviennent. L'offre fleuron antillais de la gastronomie, très important pour Saint-Martin. Et puis l'offre tourisme d'affaires, qui est peut-être un peu balbutiante pour Saint-Martin parce que le territoire est petit, sans centre de congrès, mais bon, en tout cas avec une offre de MICE qui peut être importante. Voilà. Dans les perspectives donc de post-Covid, on a eu l'idée d'une relation avec un marché domestique. Nous on n'a pas de marché domestique à Saint-Martin parce qu'en partie française, à Saint-Martin c'est 100 000 habitants au total, donc 40 000 sur la partie française. Il n'est pas question d'avoir recours au marché domestique qui est beaucoup trop petit. Saint-Martin se positionne pas de dispersion spatiale non plus. On n'a pas la place, donc voilà, Saint-Martin va se positionner sur une marque so chic, so friendly. Le chic m'apparaît, moi, comme une perspective de distinction sociale par rapport, en tout cas, on est sur de la dispersion, mais plutôt une dispersion. Mon expérience n'est pas celle de tout le monde parce que je suis sur de la dispersion sociale. On est sur un positionnement qui me paraît cohérent, moi, puisque on est Saint-Barthélemy avec un seul L, on est sur du tourisme de luxe et non pas sur du tourisme chic. Et la partie hollandaise a beaucoup investi sur du tourisme de masse avec une clientèle de classe moyenne américaine. Donc là, le positionnement de Saint-Martin peut être so chic. On verra après les défis de so chic à Saint-Martin, mais en tout cas, le positionnement apparaît relativement cohérent. Voilà, apparaît cohérent avec quand même quelques défis. Un défi de restauration du front de mer et du cœur de ville de Marigot. Donc toujours sur l'office de tourisme, on a une destination qui se positionne comme une expérience shopping à la française, Marigot ville à la mode. Marigot, il faut le savoir, vous le savez peut-être aussi bien que moi, a été entièrement détruit par Irma il y a 4 ans et tous les Saint-Martinois regrettent la destination shopping exceptionnelle qui était Marigot. Là, on est sur un champ de ruines à Marigot. De fait, là, la tenue de la promesse client de l'office de tourisme apparaît difficile à tenir. Crancasse, capitale antillaise de la gastronomie. Là, on est je vous ai mis les. On a, l'île a forgé une réputation internationale jamais démentie. Dixit, l'office de tourisme, la réputation internationale de Grand Case mérite d'être mieux connue et jamais démentie. On a quand même, depuis 4 ans, eu un gros souci avec Irma, puisque Grand Case a été un des centres urbains les plus touchés par Irma. Et puis, ça, Véronique Legris l'a présenté la semaine dernière, donc une offre hôtelière haut de gamme et des villas de luxe. Mais le côté chic, c'est extrêmement discret et sans faste. Donc, on est vraiment à l'abri des regards. Donc là, on a une notion de dispersion spatiale, malgré la difficulté à Saint-Martin, qui est que l'île est toute petite et qu'on a très peu de foncier. Sur la rubrique vie locale,
Donc là, je vous ai fait un nuage de mots qui peut être avec la rubrique vie locale, moi, qui m'a paru très intéressante. Là, on passe peut-être sur le paradigme de la proxémie et de l'assimilation, c'est-à-dire que on est vraiment la rubrique vie locale, moi, me paraît être d'un intérêt majeur dans la période post-Covid. La rubrique vie locale, moi, nous parle à la fois d'une culture du melting pot saint-martinois. Avec un lien très fort entre la tradition et la modernité, qui est vraiment important, où là la promesse client est tenue, et puis de l'architecture. Alors il y a un vrai paradoxe donc de l'architecture avec les toits créoles, la construction créole, et puis les méthodes de construction, c'est-à-dire à la fois l'architecture dans son aspect de contemplation de la construction, et puis à la fois dans la technique de construction, donc dans des pratiques vernaculaires qui sont très intéressantes à Saint-Martin, dans un contexte où on contemple une île qui est entièrement détruite à ce jour, et qui en tout cas pour la partie française n'a pas été reconstruite à ce jour. Voilà, donc les champs lexicaux donc que j'ai pu trouver à partir à la fois de l'analyse du glossaire et puis de ce qui apparaît dans le nuage de mots, donc le melting pot saint-martinois et puis ses influences. Donc ensuite arrive le vocabulaire de l'architecture en lien avec l'habitat créole, les matériaux utilisés, les techniques de construction, puis les peintres. Moi ça m'a beaucoup étonnée, mais en regardant différents documents, ça apparaît être une offre qui est intéressante. Le champ du jeu, qui est quelque chose de très important dans la culture créole. Le champ lexical lié à la fête aussi. Saint-Martin est une île assez festive, et ça c'est une offre touristique qui mérite d'être valorisée. Assez festive dans la partie française et un peu hors norme dans la partie hollandaise. Et puis le lien permanent entre la tradition et la modernité, qui est quelque chose qui me paraît moi très intéressant pour Saint-Martin. La rubrique vie locale nous parle aussi du deuxième axe de la donc so-chic, où on a une notion de dispersion qui est plutôt une dispersion sociale. J'ai une expérience qui se différencie des autres parce que mon expérience est up. On a aussi donc c'est so-chic, so-friendly. Donc Saint-Martin c'est friendly island avec un melting pot qui est très intéressant. Un melting pot sans eux. Donc il y a une marque Love qui peut ressembler à la marque Bretagne avec vraiment c'est une marque qui vient des entreprises, qui est très appropriée par les habitants du territoire, qui est vendue aux touristes et qui est vraiment incarnée partout. Il y a aussi une marque plus roots qui est la marque One, en lien avec la marque Love, la marque One Life, One Love, One Island, qui nous rappelle l'influence anglophone très importante sur l'île et des choses de la culture Rasta qui paraissent vraiment intéressantes dans le positionnement différencié de Saint-Martin par rapport à d'autres destinations. Une autre tendance très importante de post-Covid sera le changement dans les temporalités. Peut-être deux choses. Le voyage d'une vie. Moi, je peux adresser à qui ça intéressera les carnets tendances du Welcome City Lab, qui est l'incubateur parisien de nouvelles idées touristiques, qui sort un carnet tendance chaque année, qui a eu l'année dernière une analyse intéressante sur le voyage d'une vie, tour du monde, le permis vacances travail, et puis tout ce qui est voyage long. Et puis l'idée de Jean Didier Urbain, qui à mon avis se confirme, de la sédentarité laborieuse, avec tout ce qui est « je veux travailler pendant mes vacances » pour arriver à ce paradigme de la proxémie et de l'assimilation, dans une notion que Jean-Didier Urbain qualifie de clandestinité. Voilà, avec l'invention ou le développement vraiment du nomadisme digital, c'est-à-dire que là maintenant, je pense qu'une tendance touristique très forte va être comment je capte les nomades digitaux, c'est-à-dire des personnes qui veulent passer 6 mois, enfin là ça va être du séjour long, avec une connexion Wi-Fi de très grande qualité, la possibilité de travailler partout. Ça, c'est vraiment une tendance lourde, à mon avis, avec le télétravail de la Covid-19. À la fois la prise de conscience écologique, je veux voyager d'une façon différente, plus longtemps, plus souvent, moins souvent et plus longtemps, et à la fois je peux le vide des vacances qui qualifie les vacances, et puis le plein qui qualifie l'activité annuelle. Là, la limite est en train de s'estomper. Je pense que c'est une
une tendance lourde des changements liés à la COVID-19. Là, bon, voilà, les défis, on en a beaucoup. On en a beaucoup dans le domaine du tourisme, on en a beaucoup sur Saint-Martin. La tenue de la promesse client à Saint-Martin, ça va être difficile avec la crise Irma, la crise de la reconstruction Irma, suite auquel on s'est vraiment heurté directement à la crise Covid, avec des motifs impérieux, c'est-à-dire que là, les Américains pouvaient plus venir, donc les hôtels ont été, enfin toute l'offre touristique a été reconstruite ou pas, mais en tout cas la clientèle n'est pas venue. La prise de conscience écologique, ça me paraît très important avec la Covid-19. Le défi de la sécurité, ça c'est une analyse qui a été faite largement par Olivier Dehorne. C'est très important à Saint-Martin, en lien avec le dark tourisme. J'étais contente qu'on parle de dark tourisme pendant ce séminaire. Donc, dans la partie hollandaise, nous, on est sur la route de la cocaïne depuis la Colombie, fait partie des 5 îles néerlandaises. Donc, il y a un tourisme lié à la prise de stupéfiants et à la prostitution, qui est une offre lucrative, mais très complexe. Le défi de l'architecture par rapport à ce qui a été abordé, donc des friches touristiques, très important à Saint-Martin. Le défi des ressources naturelles, là, il y a eu 15 000 euros de chiffre d'affaires en moins chaque jour là pour les hôtels de Saint-Martin, dans la mesure où là, on a une grosse casse sur le réseau d'eau, on est sur du dessalement de l'eau de mer. Et on a en ce moment des grosses coupures d'eau. Donc là, nous, on a la promesse client est difficilement tenue. À Saint-Martin, c'est des prix de luxe. Hein. La norme, c'est plutôt 4-5 étoiles. Sans eau, pendant 5 jours, ça a été très compliqué. L'organisation de l'offre touristique, c'est-à-dire que là, pour le tourisme bleu, on est nous, sur Saint-Martin et ailleurs sur une offre qui est très intéressante, mais peu organisée. Des nécessités de structurer les activités de sport nautique et de plaisance. Pour les nomades digitaux, l'offre va bouger, c'est-à-dire que on va chercher plutôt la possibilité de pouvoir travailler pendant ses vacances et de pouvoir minimiser la différence entre le vide et le plein, donc, comme je le disais tout à l'heure. Nous, pour Saint-Martin, la résilience, et Véronique Legris parlait des repeaters, on vient de prendre en pleine face 4 crises majeures à Saint-Martin, depuis Irma en 2017, difficulté à ce que la population se repositionne dans la reconstruction, et puis Covid depuis 2 ans, et puis le défi des risques naturels, avec un intervenant tout à l'heure parlait de Saint-Barthélemy. On est quand même dans une zone, on a 4 risques, nous on a le risque cyclonique, on a le risque sismique, on a le risque inondation et on a le risque mouvement de terrain. C'est très très compliqué en termes de prévention des risques, en termes de gestion de crise et en termes de valeur du foncier, c'est-à-dire que après plusieurs crises majeures, on se demande si les îles vont, enfin qui va vouloir investir sur ces îles. Quelques champs de recherche pour finir. Donc la fragilité, l'indisponibilité du monde, comme dit Hartmut Rosa. Donc la conscience écologique en lien avec le paradigme de la dispersion, avec peut-être des voyages qui vont être pensés différemment et des temporalités plus longues. Le questionnement donc sur le paradigme de l'assimilation et de la proxémie, avec la question des temps sociaux et de nouvelles formes souhaitées de clandestinité ou de nomadisme, en lien avec les notions de sédentarité laborieuse ou de voyage long. Et puis, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, mais qui a été abordé dans le séminaire sur la question de la conscience politique. Ça, c'est un des enseignements, nous dit Olivier Dehorne, du tourisme en Amérique latine, avec une prise de conscience politique, la question des droits humains, et puis vraiment très important, l'éradication du dark tourisme, même si c'est une offre qui est lucrative pour le monde du tourisme et très recherchée, le tourisme lié à tout ce que, enfin aux questions de stupéfiants et de prostitution. Voilà, donc la conscience écologique, je vous l'ai détaillé dans le PowerPoint que je vous donnerai quand je l'aurai remis en forme. L'après-tourisme, comme nous disait Philippe Bourdeau, donc dans la revue Espace de janvier-février 2020, avec une double quête de transformation personnelle et du lieu parfait pour vivre, c'est-à-dire je veux une expérience qui me fasse grandir et je veux un lieu, enfin bref, on est toujours sur la question de
le double défi de l'anthropologie et de la géographie dans le tourisme. Voilà. Et puis, bon, pour finir, mais là, moi, c'était pas forcément le sujet, mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'éradication du dark tourisme. Merci de votre attention. Merci, Elisabeth, pour votre intervention. Je vous propose que nous terminions notre après-midi en écoutant Jacqueline Laguardia. Jacqueline Laguardia, qui est professeure d'économie à l'Université des West Indies, et qui nous parlera cet après-midi des réponses et alternatives à la crise dans la zone des Grandes Caraïbes. Et puis, je proposerai à Jacqueline de conclure le propos de l'après-midi en nous projetant dans les perspectives qu'elle entrevoit. Je vous passe la parole, Jacqueline, et je vous remercie de votre intervention. Primero, muchas gracias. Bonjour, je parlerai en espagnol. La présentation, c'est en espagnol aussi, mais je peux entendre français. Après, s'il y a du temps pour des questions et des commentaires, je peux vous entendre et répondre en français peut-être. Bueno, muy rápido, primero agradecer la invitación y, por supuesto, a partir de lo que ya han dicho muchos colegas, hay muchos temas que voy a pasar rápidamente. Yo quizás quisiera empezar poniendo el énfasis de cuál es el espacio del Caribe al cual yo me pienso referir en esta presentación. Y yo creo que esto siempre es útil en el sentido de que cuando hablamos del Caribe, por lo general venimos con ideas diferentes, percepciones diferentes y, por supuesto, en nuestros análisis y presentaciones nos centramos en espacios del Caribe específicos y no necesariamente siempre estamos hablando de lo mismo en extensión y en profundidad. En este sentido, mi énfasis en el tema de este análisis de la COVID, el impacto en el turismo y el Caribe, se centra sobre todo en los pequeños estados insulares del Caribe. No voy a ahondar en las características de estos pequeños estados insulares, ha sido ya referido por los colegas anteriormente, pero sí llamar la atención que en el conjunto de los pequeños estados insulares en todo el mundo, el impacto de la COVID ha sido particularmente devastador. Y esto tiene que ver no solamente con la extensión territorial y la naturaleza insular de estos territorios, sino también con los altos costos que estos países, justamente por estas características, deben enfrentar en un conjunto de actividades económicas y el aseguramiento de políticas públicas y sociales que definitivamente es mucho más costoso. A esto añádase que para estos países, en lo fundamental, economías muy abiertas, el impacto de la COVID en términos de la disrupción del comercio y la disrupción de los flujos económicos de todo tipo ha sido muy, muy, muy grave. Y esta situación se agrava si tenemos en cuenta que la mayoría de estos países en el Caribe insular son economías reconocidas por el Banco Mundial como economías de ingreso mediano o alto. Esto implica que además están en desventaja cuando se trata de acceder a ayudas económicas y a fondos económicos de ayuda, pues no se les reconoce como países que estén en un estado de urgencia mayor en comparación con otros. La única excepción en este caso, en el caso del Caribe, se trataría de Haití. En este sentido, estamos en un contexto muy complicado en la región, en el cual se venían acumulando problemas de larga data relacionados con el crecimiento y la estabilidad económica, el aumento de la desigualdad, la pobreza, inestabilidad en flujos migratorios, la tremenda vulnerabilidad ambiental que caracteriza a la región y que sigue ahí, y todo esto ahora en un contexto que se agrava con la COVID-19. El efecto de la COVID-19 en las economías del Caribe ha sido diverso y ha impactado prácticamente en todas las áreas del desarrollo económico. Y en primer lugar, que es lo que nos convoca en estos seminarios, se trataría del tremendo impacto en la actividad turística que se ha visto detenida, si no en su totalidad, prácticamente en un tremendo porcentaje en todos estos países. Lo que yo sí quisiera resaltar, sin detenerme mucho aquí, es que este impacto en las economías del Caribe se traduce en una gran disrupción en la actividad turística, pero no es solamente perceptible en el turismo.
Caribe además llega a esta crisis de la COVID en un estado bastante complicado económicamente. La crisis de 2008-2009 afectó muchísimo a las economías caribeñas y esta nueva pandemia enfrenta a la región en un momento en que aún no logra recuperarse de esa crisis. Por lo tanto, la entrada en este escenario de la pandemia viene agravado por problemas de larga data, como antes había mencionado. A la vez, el caso de los pequeños estados insulares y el Caribe sobre todo, es interesante resaltar cómo el turismo internacional constituye un porcentaje marcado en el total de las exportaciones totales de estos países, lo cual nos da una idea de la dimensión que tiene la interrupción de la actividad turística. También la actividad turística no solamente es uno de los mayores sectores en términos de lo que se contabiliza como exportaciones, sino que asegura buena parte del empleo en los países de América Latina y el Caribe, sobre todo. Vemos aquí buena parte del Caribe concentrado en los porcentajes más altos de este gráfico y además es una de las actividades económicas que mayor impacta en la formación del PIB. Otro elemento interesante que hay que tener en cuenta al analizar estos impactos es la dimensión de género, pues en el Caribe, en el sector turístico, en el sector de hotelería y alojamiento, existe una proporción marcada del empleo a mujeres en este sector. Por lo tanto, esta crisis y sus impactos en el turismo afecta diferente también a mujeres y hombres en la región a partir de la estructura de empleo que existe. Y en términos generales, si bien se ha mencionado que el impacto del turismo a nivel global ha sido muy fuerte, cuando vemos esta cifra nos damos cuenta que en términos relativos lo que ha representado esto para el Caribe supera lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Y eso tiene que ver con la pequeña dimensión de las economías y con la marcada contribución de la actividad del turismo en la estructura económica de estos países. Esto aquí podemos ver muy rápido cómo la contribución total del sector de viajes y turismo ha representado, además de que ha caído en términos de lo que representa en el total del PIB, la caída cuando se compara de un año a otro, considerando que el 2020 ha sido un año de práctica parálisis económica, es más de, el cambio supera más del 50%. Lo mismo pasa en términos de la formación de empleo y los gastos de los visitantes. Solamente algunos datos para dar una idea de cuán devastador ha sido este efecto. Aquí también otros datos que después se los puedo compartir en la presentación. Algo interesante que hay que resaltar es que el impacto no ha sido el mismo para todos los países. Todos los países lo han sufrido, no todos lo han sufrido en similar dimensión. Y esto también tiene que ver con la composición económica de estas pequeñas islas, cuáles son más dependientes del turismo o no, a qué tipo de turismo son más dependientes o no. No es lo mismo ser altamente dependiente del turismo europeo que del norteamericano. Y esto da una idea de que incluso en este conglomerado de afectaciones importantes por la COVID hay diferencias nacionales que valdría la pena explorar. Otro sector que dentro de este paquete de la actividad turística que ha resultado muy afectado por la COVID tiene que ver con el crucerismo, los viajes mensuales de cruceros al Caribe, que es una de las ramas turísticas que mayor actividad y empleos promueve en la región, se ha desplomado y esto, por supuesto, ha tenido un impacto, sobre todo en aquellas islas, pequeñas islas especializadas en el turismo de crucero. Antes, alguno de los colegas mencionaba también otro impacto que para el Caribe suele ser, se ve como algo bastante negativo y tiene que ver con el turismo de carnaval y el turismo de festivales y de eventos. Ya suman dos temporadas de carnavales perdidas. La temporada de 2019 solamente dio tiempo a Trinidad y Tobago a celebrar su carnaval. Creo, no recuerdo si Haití logró celebrarlo. El resto hubo de ser cancelado en 2020, quiero decir. Y en 2021, pues, estamos viendo que es prácticamente, no se ha dado ningún carnaval hasta ahora. Esto, por supuesto, representa pérdidas importantes en la actividad económica y en el sector de ese turismo que el Caribe ha luchado tanto por promover en aras de distanciarse de la clásica especialización en turismo de sol y playa. Lo más importante, entonces,
mensaje más importante que yo quiero dejar es cuáles son los retos para el turismo en el Caribe. Y recuerdo que aquí hablo de las islas del Caribe en general, incluyendo Caribe anglófono, francófono, el holandés, el hispanohablante, lo que una vez más, siempre con los matices propios de cada uno de estos conglomerados. El primer reto está asociado a cómo manejar apertura con restricciones de movilidad, y esto depende mucho de las tasas de contagios. ¿Hasta dónde abro los puertos? ¿Hasta dónde abro los aeropuertos? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se deben seguir? Se nota en el Caribe una tendencia en términos de que apenas hay un grado de abertura, se ve un aumento en los contagios. ¿Cómo puede manejarse eso? Esto está muy vinculado al acceso a las vacunas y la seguridad sanitaria y los protocolos de sanidad, de los protocolos sanitarios para los viajeros. Otro reto importante va a ser recuperar las rutas y la conectividad aérea que ha sido golpeada de manera durísima. Hay aerolíneas que están casi en peligro de desaparecer. Caribbean Airlines ha sido financiada por el gobierno de Trinidad y Tobago prácticamente en su totalidad en estos últimos años, y esta situación es insostenible y definitivamente va a afectar la conectividad de una región que ya está bastante desconectada a lo interno y a lo externo. El tema de la inseguridad económica y la criminalidad, antes se mencionaba cómo han aumentado los índices de criminalidad en la región, y esto por supuesto tiene un impacto en el turismo. Entonces, ¿cómo se puede manejar la misma recuperación económica y los impactos sociales de la crisis en la región y cómo esto afecta al turismo? Esa es otra tarea pendiente. Y por último, mencionar la importancia que tiene para el sector turista, para el sector turismo en el Caribe, avanzar en el tránsito a la economía digital, lo que ahora se habla mucho de la digitalización, y cómo este ambiente virtual y cómo la conectividad pueden impactar en una reconversión de la actividad turística, sobre todo en términos de cómo se maneja y de cómo se gestiona. Por lo tanto, yo coincido con lo que decían colegas anteriores, que esta crisis, además de retos, también es una oportunidad para diversificar, reconvertir, modernizar e innovar en el turismo en la región. Algunos ejemplos de cómo esto ya se está haciendo, y aquí yo traigo ejemplos del Caribe anglófono, que es muy diferente en los manejos y en la capacidad de manejo que tiene de política pública para manejar esta crisis, que es lo que ocurre con los territorios no independientes del Caribe. Y esto sobre todo lo destaco por el papel de la CARICOM y por la posibilidad que ha dado CARICOM como organismo regional para articular respuestas a nivel regional que han sido efectivas y que yo creo que abren un espacio para revitalizar el mismo sentido de la integración regional que ha sido muy golpeado en la CARICOM en los últimos años por muchos factores. Bueno, aquí pues algunos ejemplos, ya les decía que casi todos los países, además de las medidas económicas que han tomado para manejar la crisis, han tomado medidas específicas para salvaguardar, para recuperar e intentar reactivar el sector del turismo. Un cambio interesante, que es otra de las cosas que quiero mencionar en términos de cómo salir de esta crisis y cómo incidir en una reconversión del sector, tiene que ver con el tipo de turismo. En esta época de COVID, una de las estrategias del sector ha sido intentar aprovechar el turismo nacional y los turismos cercanos, más allá de la atracción a turistas que vienen de regiones más lejanas, pues la COVID implica la imposibilidad de esta práctica. Por lo tanto, algo interesante que ha ocurrido acá es cómo se ha captado una mayor cantidad y cómo se promueve el turismo nacional, al menos en el caso de Trinidad y Tobago se ve muy fuerte, y el turismo regional en el sentido de tratar de buscar en este mercado de nuevos turistas la posibilidad de reactivar este sector. Por último, bueno, me quedan solamente dos puntos. Uno de los puntos que me queda es, coincido con algo que decían los colegas, que tiene que ver con la resiliencia del sector del turismo en América Latina y el Caribe. Esto no es la primera vez que pasa. Es cierto que la intensidad de la COVID ha sido muy fuerte, pero el Caribe está acostumbrado a lidiar con situaciones de emergencia sanitaria, con situaciones de emergencia económica y con situaciones de emergencia ambiental. Esto se trata de otra crisis de dimensiones, por supuesto, mucho más marcadas, pero de la cual deberíamos aprender no solamente a resistir, sino a salir renovados y con nuevas perspectivas de desarrollo. Ya les mencionaba que prácticamente
todos los países están implementando estrategias de reactivación del sector, poniendo énfasis en ese turismo doméstico y ese turismo regional, y ya se dan ciertos avances en cómo se percibe esta recuperación del sector y este regreso al turismo, que una vez más está muy, muy, muy impactado de cómo se avance efectivamente en combatir los efectos de la pandemia en términos de los contagios que todavía son altos en varios países de la región. Este es entonces el último tema, la vacunación en el Caribe. Aquí solamente voy a mencionar que existe una expectativa en la región de ver el avance en la vacunación en los mercados emisores más importantes, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. Y esto contrasta, esto voy a regresar después, y esto contrasta con el avance lento de la vacunación en la mayoría de los países caribeños independientes. Esto se debe a muchísimos factores, pero definitivamente aquí hay una situación de vulnerabilidad que está impactando la capacidad de recuperación y la capacidad de reinsertarse de manera efectiva nuevamente en la actividad turística en el hemisferio y a nivel internacional. Esta crisis significa, como ya les comentaba, una oportunidad para, además, resolver en el sector del turismo en el Caribe problemas de larga data. Y muchos de esos han sido mencionados por ustedes también. Esta crisis quizás daría una oportunidad para el Caribe para repensar su estrategia turística, para disminuir la dependencia que existe sobre la actividad turística, para proteger los ambientes frágiles y buscar nuevas oportunidades en el ecoturismo a partir de las experiencias que se han mencionado antes. Disminuir además la dependencia de las importaciones para sostener la actividad turística. Es decir, hay muchos problemas acumulados en el sector que deberían aprovecharse estos momentos para tratar de superar estos obstáculos y salir lo más renovados posible de esta situación. Termino entonces con algunas notas sobre lo que significa este avance de la vacunación en los pequeños estados insulares independientes en el Caribe. El acceso es lento, el acceso es difícil, existen iniciativas a las cuales la mayoría de estos estados insulares se han asociado, pero sin embargo, a partir del tamaño de las poblaciones que es pequeño, a partir de las prioridades que se han dado a nivel internacional, realmente el acceso a las vacunas es muy, muy, muy complicado en esta región. El único país del Caribe que tiene una estrategia nacional en términos de la producción de vacunas es Cuba. Y todavía estas vacunas están en proceso de evaluación, pero podría ser otra de las oportunidades para los vecinos caribeños de acceso a una vacuna producida regionalmente. Sin embargo, sobre esto todavía, en el tema de la vacunación en el Caribe, yo creo que hoy está uno de los retos fundamentales para recuperar el sector turístico. Yo lo dejaría aquí y, bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jacqueline. Claire y Laurine, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Agradecía a Jacqueline por sus conclusiones y su presentación, y gracias a Stefan también. Me parece que sí podríamos escuchar algunas preguntas si hay de los mismos ponentes o comentarios de los expositores. Yo tenía una pregunta, una cuestión peut-être un peu générale, mais c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de la différence frappante des territoires de la Caraïbe, et c'est vrai qu'on se demande comment finalement les différentes îles de la région peuvent travailler ensemble sur toutes ces questions du tourisme, parce qu'elles sont confrontées à des difficultés qui sont similaires tout en étant très différentes dans leur fonctionnement interne, dans leur taille de territoire, de population. Donc, c'est un petit peu une question vaste, mais c'est vrai que réfléchir à la réflexion que les territoires peuvent mener ensemble, ça me paraît intéressant. Et si quelqu'un parmi les participants ont aussi une question à poser, je pense qu'on peut
vous écouter quelques minutes de plus. Je veux bien ajouter une question, notamment à Elisabeth. Vous parliez, Elisabeth, tout à l'heure du dark tourisme et dans notre thématique, on intègre la notion de développement durable et on voit aujourd'hui une véritable influence, sinon incidence des effets du développement durable, que ce soit évidemment la protection de l'environnement, mais j'allais dire surtout la protection des droits de l'homme et le respect des droits humains. Et la question que je souhaitais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que cette tendance grandissante de l'éthique dans les comportements, notamment des voyageurs, peut venir limiter le poids économique du dark tourisme? Vaste débat. Le dark tourisme, il est en partie plutôt hollandaise sur une offre. Hein, c'est une offre réelle très attractive sur Saint-Martin, structurée en filière avec des bars à hôtesse, entre guillemets, comme il peut y en avoir à Amsterdam, avec à Saint-Barthélemy des saladiers de cocaïne dans les fêtes, avec une offre extrêmement haut de gamme, mais extrêmement discrète. Donc, c'est extrêmement structuré. Ça part de la partie hollandaise, mais c'est, enfin, il y a à la fois un gros problème de sécurité et de trafic de stupéfiants, et à la fois une offre structurée sur le dark tourisme. Pendant le premier confinement, on a espéré, enfin les acteurs du tourisme, on a espéré qu'il y aurait un changement et une prise de conscience écologique au sens vaste, au sens des quatre piliers du développement durable. Là, dans ce que j'ai lu, moi, toujours dans la revue Espace, l'idée serait qu'au moment de la réouverture des frontières, il y ait une arrivée très massive dans l'offre tourisme de masse, et ensuite un changement de paradigme du tourisme. Moi, évidemment, j'espère que ça permettra, comme disaient certains intervenants, de diversifier l'offre, et au moins soit de faire des prises de conscience, soit d'apporter un autre type d'offre. Mais en tout cas sur Saint-Martin, enfin moi j'ai travaillé sur le dark tourisme en Colombie, hein, sur le dark tourisme et le thanatourisme, donc avec l'offre liée à Pablo Escobar et au lien, enfin toujours la prégnance qui fait beaucoup de peine aux Colombiens, de la prégnance d'une offre liée au dark tourisme, à la cocaïne et au mythe entre guillemets de Pablo Escobar. C'est une offre qui est quand même extrêmement structurée, extrêmement lucrative et qui est vendue un peu sous le manteau par les tour opérateurs, hein, faut pas se le cacher. Et nous pour Saint-Martin, après quatre crises, c'est-à-dire que Irma 2017, reconstruction post-Irma 2018, contexte émeutier en 2019, Covid-19, où là les Américains sont pas venus pendant la saison, là, après la reconstruction des hôtels, il n'y a pas eu de trafic de cocaïne et il y a des braquages, il y a une situation en termes de sécurité publique qui est extrêmement problématique. Parce que j'espère qu'en dehors de Véronique Legris, personne ne m'écoute à Saint-Martin, mais on est extrêmement dépendant d'une offre, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'en termes de produit intérieur brut, nous on dit que c'est une île qui est extrêmement dépendante du tourisme, on est extrêmement dépendant du trafic de cocaïne et du dark tourisme. Oui, si je peux juste ajouter un élément, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, hein, tous ces petits territoires, on a de gros investissements touristiques, il y a des casinos, il y a de la drogue avec, il y a la prostitution qui va avec, en fait, hein, tout est lié. Et en fait, ça sert à recycler énormément d'argent. En fait, on a un blanchiment d'argent important. Je pense que pour Saint-Martin, c'est exactement pareil. Après les cyclones, on a des reconstructions avec des sommes énormes qui sont mises dans des bâtiments. C'est de l'argent, en fait, qu'on va replacer là, en fait. Donc, les touristes, en fait, c'est avec un S, c'est pluriel, c'est multiple. On a un petit peu de tout. Il y a des consciences, en fait, qui sont un petit peu différentes, plus sensibles. Mais à côté, on a un gros marché de masse, en fait, qui semble accessible à beaucoup de personnes. Et on a de la misère, Saint-Martin, on a Sandy Grown, et puis on a toute l'immigration clandestine. Donc, dans les discothèques, il y a beaucoup de misère, en fait. Donc, c'est un vaste problème, mais très complexe.
Mais dans ce contexte, et pour rebondir sur le propos d'Olivier Dehorn, on a eu un arrêt complet parce que les 80% de clientèle américaine qu'on a, la clientèle n'est pas venue parce qu'il y a eu des motifs impérieux et que la clientèle n'a pas pu venir. Mais c'est le marché saint-martinois attend le retour de cette clientèle. Et en partie hollandaise, très clairement, il y a une structuration autour du dark tourisme. C'est une offre qui est très, très importante à Saint-Martin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Je pense qu'il faut bientôt quasiment conclure, mais si quelqu'un a un autre commentaire ou... Sí, no, yo creo que efectivamente hay que concluir, pero... quizás pensando en las continuidades posibles y que han quedado una serie de cosas planteadas y para profundizar, de modo tal que vamos a proponer nuevas dinámicas en articulación con los proyectos que mencionó Pascal Petit, con las investigaciones de unos y otros, para profundizar este tema que solamente está en sus primeras etapas, porque digamos que tendemos a proyectarnos hacia la post-pandemia, más de una oportunidad, pero no debemos olvidar que todavía estamos en pandemia y que persiste un escenario de incertidumbre radical sobre distintos factores, las nuevas variantes, etcétera, para hablar solo del aspecto sanitario, que van a meritar seguramente nuevas profundizaciones y nuevos análisis. Así que pienso que debemos concluir aquí, pero debemos plantearnos la posibilidad de nuevos eventos y de nuevas reflexiones sobre este tema que sigue siendo y va a ser de actualidad, porque las reorientaciones, las reestructuraciones, las adaptaciones son procesos de ensayo y error, donde va a haber algunas orientaciones que habrá que corregir, etc. Así que pienso que una próxima cita nos va a convocar nuevamente para seguir profundizando estos temas. Okay. Muchas gracias, Carlos. Merci beaucoup à tous pour votre participation. C'était très enrichissant. J'espère que... Vous êtes tous heureux d'avoir participé à cet échange et merci beaucoup à Stéphane depuis Funglo des France de nous avoir aussi accompagné et introduit la session. Et je pense que nous concluons avec ces paroles. Donc, depuis la Fondation Globale Démocratie et Développement, je vous remercie et à une prochaine fois pour la suite des échanges, comme l'a dit Carlos.